Comment t'as fait pour faire tout ça? Je ne m'appelle pas Gary. Oh, mais... Je m'appelle Gary. Ouais, t'as encore il prend l'accent des riches. Et moi, je sais pas, c'est Suga. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, avant que la vidéo commence, petit pote, lâche le plus gros like de ta vie, comme d'habitude, poteau. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour qu'on puisse atteindre les 530 000 abonnés. Et c'est parti, les petits potes. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes. Un objectif aujourd'hui, 7000 likes à cette vidéo. Je sais que vous pouvez le faire, les amis. Voilà, si vous kiffez les vidéos sur Minecraft avec mes enfants, etc., les amis, je compte sur vous. Montrez votre soutien en vous abonnant, en mettant un gros like et en mettant un petit commentaire, les amis. Ça fait vraiment trop plaisir quand je vois qu'il y a plein de commentaires en dessous de mes vidéos, etc. Du coup, les potes, aujourd'hui je vous donne un petit challenge. Voilà, dans les commentaires, mettez la meilleure phrase avec le mot Billy dans les commentaires, les potes. Dès que c'est fait, voilà, je super likerai. Ça veut dire que je likerai le commentaire en question. Voilà, le plus original. Du coup, n'hésitez pas à vos claviers, les petits potes. Et c'est parti, les amis. Aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Voilà, déjà je dois vous annoncer que Billy et Eva ne sont pas là. Déjà, Eva, elle est partie à l'école aujourd'hui. Et Billy est vraiment malade, les potes. Du coup, on va passer la vidéo avec Gary. Vous allez voir, ça va être trop stylé. Et n'hésitez pas aussi à acheter un de mes t-shirts. Voilà, le lien est dans la description. Vous avez moins 10% avec le code SUKA10. Du coup, ça veut dire que le t-shirt sera moins cher. Il y a des t-shirts vraiment stylés. Regardez-moi ça, il y a des t-shirts SUKA avec mes enfants, etc. C'est vraiment trop beau. Voilà, tous les liens se trouvent dans la description, les amis. Et c'est parti. Alors attendez, avant de commencer, je vais aller voir Billy, parce que bon, il est dans sa chambre. Je vais voir comment il va. Regardez-le. Oh là 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 là. Ok, bon, les potes, le pauvre, il est vraiment malade. Regardez, bon, vous savez quoi, on va pas le déranger. Un maximum de likes si vous voulez que Billy apparaisse lors de la prochaine vidéo et qu'il soit en forme, parce que là, bon, il est vraiment malade. Je sais pas quelle maladie qu'il a attrapé, mais bon, ça va s'arranger, en tout cas, on l'espère. Et c'est parti. Par contre, les amis, je vais pas vous mentir que toute la nuit, j'ai entendu du bruit. Mais du bruit comme pas possible. Et je suis sûr que c'est Rick, le scientifique, qui a fait tout ce boucan. Du coup, c'est parti, on va se diriger vers son laboratoire, les amis. Voilà, son laboratoire qui se trouve en dessous de ma maison, comme vous pouvez le voir. Oh là là, plus on s'approche, plus on entend du bruit, les amis. C'est n'importe quoi. Wow. Ok, qu'est-ce qu'il fait là? Alors attendez, on va descendre en bas. McDo de Rick. McDo de... Oh, un client. Oui, bonjour. Bienvenue au McDo de Rick. C'est moi qui fais mes McDo. Mais attends, mais Rick, mais tu t'es reconverti dans le McDo. Oui, je fais des hamburgers radioactifs. Bon, ça, wow. C'est un détail. Ouh là là là, des hamburgers radioactifs, ça doit être dégueulasse un petit peu, non? Non, ça vous fait juste pousser un troisième œil, mais c'est super bon. Ouh là 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 là, non, Rick, ça va aller. Moi, je veux pas de troisième œil, j'en ai déjà deux et ça me va super bien. Bah, je te laisse entrer alors. Ah, super. Ok, bon, les amis, voilà, on est dans le laboratoire de Rick. Par contre, ce laboratoire a un petit peu changé. Voilà, il y a beaucoup moins de... Attends, parce que je fais une expérience scientifique, oui. Ouh là, c'est quoi ton expérience, Rick? C'est quoi ces vaches? Qu'est-ce qu'elles font là? Alors, je vais transformer, attention, je mets des potions, 1, 2, 3, tac, 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 ok, j'ai pris des potions, je les jette, je ferme, et là, ça nous donne un magnifique champimeux. Wow, incroyable, mais c'est vraiment réel ça, what? Mais what, les amis, regardez ça, Rick, t'as vraiment réussi à transformer des vaches en champimeux. Oui. What? Mais t'es trop fort, regardez les amis, Rick adore faire des expériences. Si vous voulez que lors d'une prochaine vidéo je fasse une vidéo complète avec Rick, bah vous me le dites dans les commentaires. Et vous likez, c'est super important, les amis. Mais Rick, c'est bon là, t'en as pas marre de faire des expériences à longueur de journée? Sérieux? Attends, tu me rappelles que j'ai encore une expérience à faire ici. Encore? Maintenant le sujet sera une poule. Une poule. Ah mais non. Elle est encore vivante, regarde, je la prends, et la poule, elle est là. Oh, mais c'est pas une poule, c'est un coq, ça, Rick. Oh là là, les amis, voilà, bon, voilà, les potes, c'est pour ça que je kiffe Rick, il est vraiment timbré dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il est vraiment fou. Bon, Rick, s'il te plaît, la prochaine fois, fais moins de bruit pendant la nuit, s'il te plaît, ok? J'ai fusionné un éléphant et une girafe, du coup, ils ont fait pas mal de bruit, ça.
Ok, bah bon, je vais pas savoir tes expériences, Rick, mais non, juste... Non, mais c'était marrant, parce que les fois, ils aiment... Et t'as la girafe, elle criait, tout, il y a tout C'est bon, rigole, c'est bon, tais-toi. Tes expériences à deux balles, n'importe quoi, rigole. Vas-y, bon, Rick, tu sais quoi? On se dit à la prochaine, ok? Vous savez quoi? Je vais passer la journée avec mon petit frère, Gary. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, celui-là, par contre, il doit être en train de... Bah, je sais pas, il doit être en train de faire des... Gary? Non, il faut pas que mon grand frère me voit ici. Oula, attendez, où là? Frère, qu'est-ce qu'il y a? T'es où, Gary? Je suis pas du tout dans ta chambre. Oula là, qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre, celui-là? Gary! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais t'es sérieux? Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais je t'avais déjà dit d'arrêter de sauter dans mon lit, tu vas casser les planchers. Oui, oui. Oh! Oh! Ouais! C'est-à-dire que je dois y aller, hein. Ouais, Gary, on est ici! Je sais pas, parce que Billy, il est malade et il est parti à l'école, moi. Oh! Je sais. Quoi? Ok, d'accord. Tu vois les nuages dans le ciel? Ouais. Pourquoi on n'irait pas vivre dans les nuages, grand frère? Tu veux vivre dans les nuages, mais tu sais très bien que c'est impossible, Gary. Je m'en fous, allez, on va vivre dans les nuages, allez. Quoi? Mais comment tu veux? Tu veux qu'on fasse quoi dans les nuages, Gary? Comment tu veux? On n'a pas... Comme ça. Regarde-moi. You. Et tout! Wouah! On vient! Comment tu veux vivre dans les nuages? On n'a pas de maison dans le ciel. Bah justement, on va en construire une. Tu veux construire une maison dans le ciel, Gary? Bah oui. Oui. Je sais pas si c'est possible, les amis. Dites-moi dans les commentaires si, à votre avis, c'est possible de faire une maison dans le ciel. Et c'est parti. Ouais, c'est parti, les amis. Let's go. Du coup, vas-y, on l'a construit où? Dans le jardin? À côté des... Ah, je sais. On va les faire sur les cabanes. Ouais. Mais. Ouais. On va prolonger. Ok, bon, vas-y, tu sais quoi? Toi, tu l'as fait sur cette cabane-là, moi, je l'ai fait sur celle-là. Et d'accord. On verra, les petits potes, qui sera le plus fort en construction. Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, qui va gagner entre moi et Gary, les petits potes? Parce que, bon, vous connaissez Gary, il est vraiment nul en construction. Mais bon, on va voir si on arrivera à construire une maison dans le ciel. C'est la toute première fois que je fais ça, les potes. Par contre, l'entrée de ma maison va se faire genre là. Ok, du coup, l'entrée sera juste là. Et aussi, les amis, voilà, aussi, j'ai envie de faire des noobs VS Pro. J'ai envie de faire des noobs VS Pro avec vous, les abonnés, les potes. Du coup, si vous êtes intéressés pour qu'on fasse des noobs VS Pro ensemble, que j'invite des abonnés dans mes vidéos pour voir si vous arrivez bien à construire, ben voilà, dites-le moi dans les commentaires, mettez un gros like, voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, moi, je serai chaud pour le faire. Sinon, en fait, c'est en live, grand frère. Ouais, en live, ça, c'est pas bête, ça, Gary. En vrai, en live, ça pourrait être ultra cool. En vrai, je vais inviter des abonnés à faire des petits noobs VS Pro en live et on verra ce que ça va donner. Je suis sûr que mes abonnés sont ultra chauds en construction. Ils vont tous te battre, Gary, ça c'est sûr. Hein. mais non, parce que moi je suis plus fort, alors non, ils vont pas me battre. Ouais, c'est ça, ouais, on t'a vu en noobs VS Pro, Gary, t'es pas si fort que ça, hein, je suis désolé, mais bon. Si je n'ai pas, si à l'école j'ai pas appris à faire un beau jacuzzi. Ouais, c'est ça, Gary. Ouais. Jacuzzi toi-même, Gary. Mais t'es méchant. Ma maison sera plus belle que la tienne, mon pote. Ça, tu le sais. Regarde. Okay, bon, on verra ça, ok. Là, ça va être le coin cuisine. Regarde ça, je vais faire un petit truc comme ça. Plutôt stylé, voilà. Avec des petits étagères comme ça, les amis. Non, on va plutôt les mettre comme ça, les étagères. Voilà. Comme ça, ça nous fait des étagères. Là, on va placer notre petit frigo. Parce que oui, il nous faut un frigo, les amis. C'est important. Il nous manque aussi l'évier, les potes. Il nous faut un lavabo. Ça, c'est obligé, un petit lavabo pour faire sa vaisselle, etc. C'est plutôt cool. On va même mettre de l'eau à l'intérieur, regardez. On va même mettre de l'eau. Voilà. J'ai retrouvé le jacuzzi que j'ai fait à l'école. Ouais, c'est ça, Gary. Allez, c'est ça. Calme-toi. Hop là, regardez-moi. Moi, ma maison, elle sera plus belle que la tienne, mon pote. Tu verras. Hop. Regardez-moi ça, les amis. Oh, si c'est pas une maison de ouf que je suis en train de faire. Hop là. Regardez, en fait, déjà. Là, c'est le coin cuisine. Tu peux regarder chez moi.
Gary? Oui. Comment t'as fait pour faire tout ça? Je ne m'appelle pas Gary. Je m'appelle Gary. Ouais, t'as encore il prend l'accent des riches. Mais les amis, regardez-moi, j'étais en train de faire une belle petite maison, j'étais super content de ma belle petite cuisine. Et regardez qu'est-ce qu'il me construit. Les mains de 10. Ouah, Karma, il a même fait l'intérieur et tout. C'est trop stylé, bah vous savez quoi? J'abandonne ma construction, voilà. Bah ta maison est beaucoup plus stylée que la mienne, Gary. Voilà. Bah voilà, attends, regarde. Je m'avoue vaincu, mon pote. Je m'avoue vaincu. Voilà. Ouais, mettez tous Gary, de best, hein, comment t'es... Non, c'est ça, arrête de prendre la grosse tête non plus. Regardez, il a carrément fait une belle petite, un beau petit jacuzzi. Oh, en plus, regardez, imaginez-vous en train de vous baigner dans le ciel. N'importe quoi. Trop stylé. Attends, je me suis trompé. Je me suis trompé, le jacuzzi, il est là, regarde. Vas-y. C'est plutôt stylé, en tout cas, les amis, notez. J'ai trouvé. Notez sa maison dans les commentaires, les potes. Ah oui, mais attends, je me suis fait arnaquer, regarde. Quoi? Attends. Oh! Je me suis fait arnaquer, c'est pas un jacuzzi, ça. C'est quoi? Je sais pas, mais c'est pas un jacuzzi. Mais what? Mais construit ultra vite. Ah, Karma, il a même fait une petite cabane dans son jardin. Oh, n'importe quoi. En tout cas, les potes, voilà, je veux un maximum de GG pour Gary dans les commentaires pour sa maison qui est à 9999 mètres du sol. Voilà. Voilà, regardez sa grosse villa. Trop stylé. En tout cas, un gros GG pour toi, Gary. Merci, grand frère. Voilà. Mais t'inquiète pas, un jour tu seras plus fort que moi. Ouais, j'espère. En tout cas, regardez, il a carrément fait une cuisine, des fours et tout. Je vais quand même visiter un petit peu sa petite villa. Regardez, il y a des escaliers qui montent à l'étage. Et à l'étage, waouh, ok, c'est stylé. C'est pas mal. Je vois que quelqu'un est rentré dans ma demeure. Ah, c'est ça, arrête de prendre la grosse tête. En tout cas, Gary, viens pour fêter ta victoire. T'es où? On fête ta victoire. Et moi? Non, mais c'est le vin, c'est pour les riches. Alors c'est. Vas-y, c'est bon, je te parle plus. Attends, grand frère, je peux aller killer. Non, Gary. Gary, oh non. Il est tombé tout en bas, j'espère qu'il s'est pas fait mal. En tout cas les amis, voilà, un maximum de GG pour Gary dans les commentaires, ça lui fera énormément plaisir. Si cette vidéo t'a plu, mets un gros like. Voilà, je m'avoue vaincu, il m'a complètement battu. Abonne-toi à la chaîne YouTube pour plus de vidéos de ce genre. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Souka, ciao les potes.